Ouais. Je suis la prochaine vedette. Je suis la prochaine vedette. Je suis un peu comme Sylvain Cossette. Bientôt on va voir ma pochette d'album dans les magasins. Mon album va être super bon. On va avoir au moins une vingtaine de chansons. Et tout le monde au Québec va se rappeler de mon nom. Même si j'ai un problème de consommation, tout le monde va écouter mon album. Mais si les tunes vont être bonnes, tout le monde va acheter mon album. Ça va me donner une bonne somme. Avec ça, je vais pouvoir comme acheter une maison dans le coin de Sylvain à Las Vegas. Je vais avoir assez d'argent pour tanker et mettre du gaz. J'ai plus un fucking esclave. J'aurai plus besoin d'aller poncer la mort. À quel point que ça me tente pas d'aller travailler là, avec d'autres petits cinglés qui travaillent là, pis qui ont gâché leur vie, pis qui ont pas de talent, qui travaillent là depuis plus que 24 ans. Ça me tente pas de travailler avec des gens comme ça. Ça me tente de rester chez nous, mais la marijuana, non c'est pas vrai. Ça me tente de travailler sur mes textes. En réalité c'est juste un prétexte. Ou faire de la mettre, je fais tout le temps de la mettre, moi je suis capable de la mettre. J'aime le cristal, mais c'est la meilleure drogue qui existe sur la planète.